biddy bang bang biddy bang bang biddy bang. Ang biddy bang bang biddy bang bang biddy bang. Ang biddy bang bang biddy bang bang biddy bang. Tu as besoin de crédit FUT? Je te conseille de check le lien dans la description. Avec le code promo AXOSKILL, tu bénéficieras de 5% de réduction sur ta commande. La livraison de tes crédits se fera entre 5 et 30 minutes selon les stocks disponibles. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez tous très très bien. Bah écoutez, pour ma part, tout va impeccable et aujourd'hui on se retrouve pour la review exceptionnelle de Zlatan Ibrahimovic les gars, que j'ai eu dans un pack offert par EA. Et du coup c'est pour ça que je vous propose la review de ce joueur que je n'avais même pas testé cette année. Et du coup c'est avec plaisir vraiment que je vous propose cette vidéo. Je l'ai placé dans une équipe mi-Ligue 1, mi-Serie A, une défense de Serie A avec le gardien de Serie A, 4 joueurs de Serie A, le reste de joueurs de Ligue 1. Une équipe vraiment pas mal, voilà, je vous cache pas les gars, je l'ai faite avec les joueurs que j'avais déjà dans mon club. Regardez ici ses stats sur Futed, ce qui m'a marqué chez lui, c'est sa stat en finition, bien entendu, hein, c'est du Zlatan. Sa stat en volée qui est très bonne, vous verrez, je l'ai exploité dans cette review. Sa puissance de frappe, sa stat en penalty également. Agilité monstrueuse pour une taille aussi grande. 93 en force. Beaucoup de verre, un joueur très complet, c'est Zlatan Ibrahimovic, vous le connaissez tous. Vraiment une review, on a pris du plaisir, je l'ai faite. Cette review avec un ami, avec mon ami Floriano. Je vous mettrai d'ailleurs son Twitter dans la description, vous pourrez le rajouter sur Xbox 360. Il joue, en fait, on a le même style de jeu. Et vous verrez sur les clips, il n'y a pas photo. On a vraiment pris du plaisir, on a joué pour être efficace. Mais on a marqué vraiment dans l'ensemble des buts magiques. Vous verrez, c'est vraiment un florilège de buts exceptionnel. Une review vraiment plaisante. Voilà, quand tu as des joueurs de cette qualité, c'est plaisant. Et du coup, je vais vous parler un petit peu de ses points positifs à ce joueur. Premièrement, sa finition. Vous le connaissez tous, hein, Zlatan, c'est un grand finisseur. Et dans le jeu, ça se vérifie. En plus de cela, il a 4 étoiles en geste technique. Je pense qu'il aurait mérité 5. D'ailleurs, ça va être son seul point négatif. C'est ses 5 étoiles. C'est 4 étoiles en geste technique. Voilà, point négatif. Pourquoi? Parce qu'il méritait les 5, selon moi. Après, selon beaucoup, je pense, c'est un joueur très technique, Zlatan, même s'il y a des matchs, il va marcher, il va pas être technique. Tu sais très bien que Zlatan, il va faire des gestes techniques quand il en a envie et que ça peut passer. Et que le mec est très agile, donc voilà, après ça, c'est un petit détail. Mais bon, c'est quand même un petit défaut. Après, avec 4 étoiles, tu peux t'amuser. Autre point positif, sa force, sa puissance et cette force-là, je vais la combiner avec son agilité. Les deux en même temps, c'est vraiment magique. Le joueur est vraiment très bon. C'est souvent, tu as des joueurs techniques qui sont petits gabarits, pas très solides. Ben Zlatan, c'est vraiment tout combiné. C'est ça vraiment qui est vraiment exceptionnel. Surtout que cette année, les gars, on va pas se le cacher, c'est très facile de dribbler. Si vous maîtrisez les dribbles, il y a vraiment moyen de s'amuser. Et avec Zlatan, c'est un total régal. Donc pour ceux qui hésitent à l'acheter, je vous le dis dès maintenant. Voilà, on est à la moitié de la review. N'hésitez pas, les gars, n'hésitez pas. Autre point positif que j'ai mentionné, ça frappe de loin. Regardez ici ce clip. Monstrueux, donc marqué par mon pote, hein, et je m'en souviens, je lui passais la manette, il me dit je vais tenter direct, dès l'engage. Il tente, ça rentre, donc voilà, il n'y a pas de coup de chance. Si vous maîtrisez un minimum le jeu, vous allez vraiment vous régaler. Autre point positif, sa stat en volée, donc voilà, on en a mis 2. En volée, je crois que c'est du plus de 90, donc forcément, si vous tentez DLBY, qui sont quand même assez utiles, voilà, je dis pas d'en abuser, mais bon, par moment, ça débloque des situations, vous pouvez tenter direct pour rentrer le clip. Et du coup, vous faire plaisir. Je vais mentionner aussi un autre point positif, vraiment, mais exceptionnel. Vous verrez l'exemple, le voici d'ailleurs. Ses coups de pied arrêtés, regardez-moi ce coup franc exceptionnel qui rentre vraiment d'une facilité. Regardez, le gardien ne bouge même pas. Et puis voilà, il n'y a plus de toile d'araignée. Donc ça, je pense qu'on se rapproche de la fin de la revue. Il me semble que c'était vers la fin. On a disputé 7 matchs. 7 matchs total plaisir. Regardez-moi cette courbe. Après, en enroulé, c'est pareil, il a une bonne stat. Moi, ce que je vous conseille devant le gardien, c'est de privilégier quand même la puissance de tir. Vous pouvez très bien enrouler. En fait, ça dépend de la situation. Mais allez, globalement, il vaut mieux tirer en puissance plutôt qu'en enroulé. Après, ça peut rentrer aussi en enroulé. Franchement, je ne vous cache pas, hein, j'ai fait que des tirs en puissance. Je ne me suis pas pris la tête à enrouler. Regardez ici, ça aurait pu rentrer malheureusement. C'est sorti par le poteau. Au début de la review, c'est vrai que j'ai croqué quelques actions. Mais bon, c'était le match de chauffe aussi, c'est pour ça. On s'approche de la fin de cette review. J'espère rien avoir oublié en points positifs. De toute façon, c'est du Zlatan. Il n'y a quasiment que des points positifs. Son seul point négatif, comme je vous le disais précédemment, c'est qu'il lui manque une étoile en geste technique. Mais s'il a une étoile de plus, le prix n'est pas le même. À mon avis, tu peux facilement rajouter 500 000 crédits sur le joueur. Regardez ses stats. 7 matchs joués, 15 buts marqués, 3 passes D.
C'est vraiment exceptionnel. Voilà, on n'a pas fait beaucoup de passes D parce qu'on a voulu y aller seul avec le joueur. En même temps, ça se comprend. Point fort, attaquant complet. Dribbleur, donc dribbleur, même s'il a que 4 étoiles, entre guillemets. Agile pour sa taille, 1,95 combiné à son 86 d'agilité et son 88 de dribble. C'est dévastateur. Sa puissance, aussi bien au niveau de la frappe que du gabarit. Ses coups de pied arrêtés qui sont précis, vraiment, mais une précision chirurgicale. Si vous maîtrisez les coups francs, vous allez vous régaler. Et au niveau des points faibles, comme je vous l'ai dit, ça fait 3 fois que je vous le dis, c'est qu'il lui manque une petite étoile en geste technique, 4 étoiles du mauvais pied. Je considère ça comme un point positif, étant donné qu'il a une finition vraiment dantesque. En tout cas, les gars, j'espère vraiment que je vous ai convaincu d'acheter ce joueur. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la revue vous a plu. Puis moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.